Bonjour à tous, gentilhommes et gentilhommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Pour ceux qui arrivent dans ma chaîne, je vous remercie. Si vous voulez vous abonner, il vous suffit de cliquer s'abonner en bas de mes vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si vous avez aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Je vous en remercie infiniment. Si vous désirez également vous abonner à ma page Facebook, pourquoi pas aller y faire un tour. Vous serez les bienvenus. Voilà, voilà. Donc, nous allons faire les horoscopes des Verseaux pour ce mois de juin. Pour ceux qui arrivent dans ma chaîne, je suis partenariat avec le groupe Isotherium. Vous avez des produits ésotérisme tels que des pierres, de l'encens, des cartes divinatoires si vous faites des cartes, ou des pendentifs. Voilà, vous trouverez toutes sortes de bracelets de protection ou pour aligner vos chakras. Enfin, vous verrez, vous avez plein de choses sur leur site. Et vous avez un lien surtout en bas de mes vidéos qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur la totalité de votre commande. Ce qui est quand même pas mal. Voilà. Allez, on va y aller. Alors, je mélange un petit peu toutes mes cartes et on va voir qu'est-ce qu'on vous donne pour vous, mes amis Verseaux. Il y a une évolution. Bon, on prend de la hauteur. Il y a une évolution possible. Voilà. Avec l'oracle Sceau. On va commencer avec l'oracle Sceau et on finira bien sûr avec le Bélier Angèle, l'oracle Love pour vous. Allez, on y va. Allez, on commence par celui-là et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour vous, mes Verseaux. Alors, on a l'araignée qui est là. On a le bonheur, quelque chose que vous désiriez qui va être exaucé durant ce mois de juin. Donc, une belle chose qui arrive à vous. On a quelqu'un qui peut travailler dans un travail indépendant tel qu'un auto-entrepreneur qui œuvre seul. On a la carte 34 où on a vraiment un travail indépendant. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui désire se mettre à son compte. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui, voilà, qui veut travailler à son compte. On a les 3 mois. Alors peut-être qu'il vous faut 3 mois pour arriver à votre projet. Ou vous avez démarré peut-être ce projet cet hiver. Il y a 2 possibilités. Hein. Voyez ce qui... Hop, pardon, cette carte, elle n'a rien à faire ici. On a... Ça peut être dessiné pour un monsieur. C'est peut-être ce monsieur qui veut faire ce projet. Et... si vous faites ce projet, ça vous emmène à la paix. Vous y trouverez une satisfaction aussi. Le bonheur sera là, le bien-être. Hein. Ça vous fait du bien. Voilà, d'œuvrer comme ça. Alors, on a pris le temps de méditer sur notre situation. On a pris le temps de la réflexion mentale. Et on a pris, on a fait un travail sur soi aussi. Alors, on a la carte de la santé. On a pour certains des examens médicaux, une intervention peut-être à l'hôpital durant ce mois de juin. Alors, avec les poissons en haut,
pour certains, alors pour ceux qui seront au bord de l'eau, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, il y a peut-être une activité nautique, quelque chose qui est avec l'eau, qui vous a fait atterrir à l'hôpital. Alors, est-ce que vous allez vous couper? Est-ce que... C'est pas sympa ce que je dis, mais là, il y a peut-être quelque chose qui va arriver. On va voir la carte d'en dessous. Très d'accord. Il y a peut-être un petit accident qui va vous arriver pendant une activité nautique. Hein, c'est-à-dire, je sais pas, vous allez faire du canoë, vous allez faire du bateau, ou je sais pas, c'est lié à la mer. Et il va se passer quelque chose, vous devez aller peut-être... alors, vous pouvez simplement vous fracturer ou vous tordre la cheville, mais vous allez faire une petite consultation pour ça. Ou atterrir à l'hôpital pour faire des examens. Tout simplement. Avec la carte de l'abondance, il y a quand même un triomphe sur tous les domaines. Alors, si c'est lié à votre travail indépendant, tout va aller. Vous n'avez pas de souci à vous faire, vous allez vers l'abondance. Hein, le bonheur ou la réussite. Peut-être c'est quelque chose qui vous permet de retrouver la paix, de vous épanouir et voilà, et de vous porter mieux vous-même. Alors, on a une petite maladie qui ronge. Vous voyez, la chose que je vous indique, c'est quelque chose de bénin qui va vous arriver, mais vous aurez peut-être besoin de faire une radio pour voir si vous avez même quelque chose d'important ou pas. Mais pour moi, c'est pas grave ce qu'il y a là. C'est un petit truc qui va vous arriver, qui n'était pas prévu, qui vient vous barrer un petit peu la route durant le mois de juin, mais rien de grave, rassurez-vous. Voilà. Et vous avez la paix qui revient, donc il n'y a pas de souci pour moi, vous voyez, grave. Hein. Vous allez retrouver une sérénité en vous, hein, parce qu'on a la paix quand même là, et la colombe qui est quand même la sérénité aussi. Vous allez trouver un apaisement sur une situation. Est-ce que c'est parce que vous allez vous retirer tranquillement et travailler tout seul? Est-ce que vous avez pris le temps de bien explorer votre mental et tout ce que vos envies, tous vos désirs? Vous avez, voilà, pris le temps de la réflexion qui est important pour vous de retrouver cette sérénité, ce bien-être intérieur, parce que c'est un bien-être en vous-même là, que je ressens. On a pris le temps de réfléchir sur certaines situations. Alors, on a une personne âgée qui peut nous donner peut-être avec l'expérience, la maturité, vous avez appris à retrouver, à trouver cette paix avec l'expérience et la maturité. On a quand même une situation qui ronge avec la souris. On a quelque chose qui... Voilà. Maintenant, faites attention de ne pas vous faire abuser, voler durant ce mois de juin. Faites attention à vous. Attendez, je vois que vous ne voyez pas les dernières cartes. Donc, je remonte tout. Que vous voyez... Voilà. On a l'homme âgé et la souris. Est-ce que vous le voyez? Ouais, allez. C'est dommage de ne pas avoir toutes les cartes. Alors, faites attention parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui va vous trahir, qui risque de vous abuser. Faites attention à vous. Prenez soin de vous, soyez vigilant. Quelqu'un peut-être par des non-dits, par des mensonges. Alors, on a les saisons de 3 mois encore et l'automne, 3, 3, 6. Sachez quand même qu'on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez une belle protection divine sur vous. Si quelqu'un, un autrui, essaye de vous faire du mal, la personne n'arrivera pas à vous atteindre parce que vous êtes protégé. Ça, c'est important. Et avec la croix à la fin, vous êtes quand même nerveuse, vous avez été déçue
Mais c'est peut-être par cette personne. Avec la croix à la fin, vous avez été déçu. Peut-être que c'est cette personne que je vous dis qui va vous décevoir. D'accord ? La croix aussi, là, c'est peut-être, vous voyez, une possession. On essayait de vous faire quelque chose, mais de toute façon, on ne vous attendra pas. C'est peut-être quelqu'un qui vous voulait du mal, mais qui n'arrive pas à ses fins, pour moi. Alors, ça peut concerner votre projet, vous voyez. Peut-être que c'est de la jalousie, c'est par jalousie. Alors ça, c'est moche, mais bon, ça arrive malheureusement par jalousie. On est jaloux de ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez réussir à créer, ou tout simplement parce que vous allez retrouver votre bien-être. Je l'entends comme ça. Et il y a une personne autour de vous qui ne le souhaitait pas pour vous, qui ne le voulait pas. Mais quoi qu'il en soit, si cette femme elle a essayé de vous faire, ou cet homme a essayé de vous faire du mal, on ne vous atteindra pas. D'accord ? Parce que vous avez une belle protection sur vous. Ce qui fait qu'on ne pourra pas vous mettre ses bâtons dans les roues. Voilà. Mais bien sûr, ça va vous créer quand même une déception. Ça, malheureusement, les gens sont un peu nuls des fois, mais bon, on passe par des choses des fois, on se demande pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi on en est arrivé là. Allez, on continue avec le royaume normand. Voilà, on nous donne en plus pour vous. Allez, on va faire des petits paquets aussi. Alors, sachez que sur une situation, vous allez débloquer le problème. Ou, si c'est quelqu'un de proche de vous qui vous a fait du mal, et bien vous décidez de lui fermer la porte à cette femme ou à cet homme. Vous ne lui parlerez plus, ça sera comme ça. Ben après tout, on a voulu vous faire du mal, donc reste dans ton coin, et moi dans le mien, et je suis très heureuse. Et de là, je serai plus heureuse et je serai en paix. Alors, on vous dit attention de ne pas être naïf. Après, ça peut être une solution qui va être trouvée par rapport à un enfant. Peut-être c'est lié à votre enfant. Il avait peut-être un petit souci. Vous allez régler un problème. Mais on vous dit aussi que c'est une phase de renouveau aussi qui est là pour vous. Hein? Donc, c'est mourir avec la situation de la croix pour renaître. Hein? Pour une femme. Alors, voilà, on coupe des liens avec quelqu'un, on prend une décision, on l'affirme, on l'exécute et on revient pas en arrière. Voilà. Après, les cartes disent aussi, on met, comme on vous dit, on met fin à quelque chose, mais brutalement. D'accord ? Et c'est un imprévu qui vient comme ça, subitement. Peut-être qu'un jour vous décidez de ne plus parler à cette personne, c'est comme ça et c'est pas autrement et je reviens pas en arrière. D'accord ? Après, pour certains, il peut y avoir une petite fracture. Comme je vous ai dit, hein, peut-être c'est lié à un sport nautique, parce que vous serez pour moi au bord de l'eau, vous allez peut-être vous fracturer quelque chose. Parce que ça indique aussi une fracture aussi. C'est une possibilité, un danger qui est venu là. Donc on nous remet encore ça au tapis, donc faites attention à vous, hein. Si vous faites une activité nautique, parce que c'est lié à l'eau, alors ça peut être, je ne sais pas moi, faire du canoë, de la planche à voile, du bateau, tout ce qui touche à l'eau pour moi, ben faites attention à vous, voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi avec ça? Je crois que j'ai tout dit, hein. Pour certains, ça peut être bien sûr une petite opération chirurgicale, hein, puisque vous allez à l'hôpital faire des examens, n'oubliez pas, pour certains. Donc, on a encore des pensées négatives dans notre tête, on a un danger quel qu'il soit qui peut être là, mais aussi on a de la négativité, de la manipulation. Rappelez-vous, il est là le serpent aussi. Donc, il y a quelqu'un qui essaye de vous manipuler, vous avoir, ne vous laissez pas faire. De toute façon, pour moi, vous allez voilà, ne pas vous laisser faire. Bon, il y a des commérages autour de vous, vous en fichez, vous laissez faire les choses, prenez, vous laissez faire
il y a des commérages autour de vous. Quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire. Si c'est votre projet, enfin, vous en foutez. Si les gens vous... Écoutez-vous à vous, n'écoutez pas les autres. Des fois, peut-être, on va vous raconter des choses qu'il ne faut pas pour vous faire couler dans vos projets, mais ne les écoutez pas. S'il vous plaît, ne les écoutez pas, parce que c'est des personnes qui sont là pour vous nuire, avec les cartes que j'ai vues. Donc, œuvrez tout seul, vous êtes bien indépendante, avec ce poisson qu'on avait vu, œuvrez tout seul, et vous allez réussir à vous en sortir. Regardez, le cadeau, la surprise, elle est là. Hein? C'est le bonheur qui arrive à vous. Alors, ne vous laissez pas duper. Point barre. On a quand même des lieux publics, ce qui fait que ça peut être destiné à un commerce où on a de la densité après, du public, hein, des gens qui viennent à nous. On a aussi des jardins publics. Peut-être qu'on vous amène à faire des sorties extérieures aussi, d'aller vers les autres aussi. Et on a quelqu'un de proche de vous qui est là, qui vous soutient. Bon, pour certains, bien sûr, on ira promener notre animal domestique dans les jardins publics parce qu'il est là. C'est les jardins et l'animal domestique aussi, c'est une possibilité. Donc prenez bien sûr ce qui vous parle dans ce que je vous indique. En tous les cas, vous avez quelqu'un qui vous soutient quand même proche de vous. Maintenant, la carte 18 aussi, ça peut être pour certains partenaires ou un amant hein, qui est proche de vous. Qu'est-ce qu'on a aussi? Pour d'autres, ça sera en termes de santé, des petits problèmes nasaux, tous les sphères ORL. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et la glande salivaire, puisque les chiens ça bave, peut-être que vous avez un problème salivaire. Allez, on continue avec le petit les cartes mystiques du Lenormand. Et je vous donne. Alors, on a la carte 24 qui est l'amour. L'amour. Alors. Avec ça et ça, ça peut être quelqu'un où on a un petit, comment on appelle ça? On a quelque chose qui nous passionne, ça peut être votre projet qui vous passionne, mais on a peut-être cet amant que je vous ai dit, où on vit un événement par passion, d'accord? Puisque c'est l'amour et la passion. C'est l'affection et la joie. Mais on a le couple. Dans votre couple, ça doit aller quand même. Vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on nous donne? Pour certains, bon, c'est de l'ordre d'amant. Si vous avez un amant, c'est un amant. C'est un petit amour. C'est un partenaire, c'est un amant, c'est un frère. Ça peut être un frère proche de vous que vraiment, voilà, vous êtes fusionnel. Vraiment, ça passe bien le courant entre vous. Prenez sur ce que je vous dis, ce qui vous parle bien sûr. On a la carte 15, l'ours. L'ours est une carte quand même bénéfique, d'accord? Ça représente peut-être un homme, une personne forte. Ça peut représenter aussi de l'argent. Alors, peut-être que il y aura dans ce mois de juin une possibilité de rentrer d'argent. Hein, une aisance financière qui sera là. Et là, on nous dit aussi que ça peut représenter votre mari. Alors, vous voyez où c'est fusionnel. Et on le sent bien. Ça peut être un amant ou un mari. Vous voyez, l'amant était là. Là aussi, on peut nous indiquer. Donc, il y a, vous vivez un événement, un moment fusionnel avec cette personne qui est proche de vous. Ça peut être, comme je vous dis, votre ami, votre amour, votre mari, votre compagnon ou votre amant.
Il y a quelque chose de fort dans cette relation. Pour certains, on se retire pour prendre de la hauteur ou on se sent coincé dans notre tour d'ivoire. Il y a une situation où vous êtes là, vous vous sentez prisonnière, tout simplement. Regardez cette femme dans la carte, elle est dans la tour, on ne voit que la tête. D'accord ? Après, ça peut être bien sûr pour certains la prison, malheureusement. L'administration, l'isolement pour certains, on se retire. Alors, prenez ce qui vous parle dans ce que je vous indique et selon votre situation, vous l'adaptez. On a quand même l'opportunité, encore la chance qui est là, donc il n'y a pas de souci. Vous allez avoir une belle opportunité, il faudra la saisir. Hein. Bon, on a encore les commérages. Donc, je vous ai dit, si ça commère autour de vous, vous laissez les gens parler. Vous faites ce que vous voulez, vous. Votre but, il faut l'atteindre. Et laissez ces gens piailler autour de vous. Ces gens, franchement, des fois, c'est là, simplement par jalousie. Surtout si vous avez ce projet que vous arrivez à mener à terme et tout ça, voilà, ça ne plaît pas à tout le monde, et bien c'est comme ça, faites votre projet, n'écoutez pas les autres. Hein. Après, les chouettes aussi peuvent indiquer aussi que peut-être en ce moment vous êtes un petit peu nerveuse. Hein. Avec tout ça, ça vous fout de l'attention. Hein. Vous êtes nerveuse. Et après, il est possible qu'aussi pour certains, on a des communications téléphoniques qui sont là durant ce mois de juin, où il y a beaucoup d'échanges, parce que les commérages, ça peut être des commérages extérieurs, mais ça peut être vous aussi, que vous avez beaucoup d'échanges envers les autres, avec l'extérieur. Oui, peut-être pour des relations, si c'est de l'ordre d'un projet, vous allez chercher de la clientèle, vous allez vers l'extérieur. Et il vous faut ces communications pour vous permettre d'évoluer dans votre projet et même pour atteindre votre objectif s'il n'est pas carrément finalisé. Hein. Vous avez besoin d'un... Au départ, c'est des renseignements, et puis après, voilà, pour mener à terme votre projet. On a encore la faux qui est là. Hein. Donc, c'est vraiment... Ça concerne aussi... faites attention, il y a un obstacle qui va arriver durant ce mois de juin. Préservez-vous, faites attention à vous. Mais il peut y avoir un renouveau soudain qui arrive à vous aussi. Comme je vous dis, peut-être que vous allez lâcher les personnes et ça va vous apporter ce bien-être que je vous disais tout à l'heure. Et on a encore des écrits, des échanges, des correspondances. Vous allez peut-être recevoir l'officialisation de votre projet par correspondance. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. En tous les cas, il y a quelque chose, une lettre. Alors, ça peut être lié pour une femme, un homme, un couple. Et on a quand même... alors, ça peut être une grossesse, mais ça peut être un nouveau projet. Vous allez recevoir un courrier qui va être facteur de déclencheur pour avoir un nouveau projet. Alors, les choses ancrées. Bon, faites attention parce qu'il y a quelqu'un de rusé autour de vous. Et vous avez des idées un petit peu noires en ce moment. Alors, c'est vrai que si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est un peu normal. Mais essayez d'apaiser, vous allez retrouver stoppé. On avait vu au début. Ce n'est qu'un mauvais passage. Tout va aller pour vous, les Verseaux. Allez, on va voir vraiment pour le couple marié et les célibataires. On va en donner un plus. Il y a quand même quelqu'un qui va avoir un beau projet, qui met en place quelque chose. Bon, faites attention si vous allez au bord de l'eau, hein, c'est ce petit accident. Il y a des liens qui seront coupés avec une personne, mais bon, ça...
Des fois, il suffit, il le faut, hein, il faut couper les liens pour se sentir mieux. Moi-même, je suis passée par là. Et familial, couper des liens familiales pour pouvoir avancer dans votre vie. Et c'est important, des fois, c'est important. Voilà, allez, on va voir pour les couples mariés. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les couples mariés, s'il vous plaît, Verseau, pour ce mois de juin 2021. Ouf, il y a des tensions et des disputes. Alors, est-ce que c'est le fait que ces personnes vont essayer de semer la zizanie dans votre couple ou c'est ces commérages qu'on a vus? On va voir. Alors, on n'arrivera pas à vous atteindre. Rappelez-vous, vous êtes protégé. Vous avez un couple love où il y a vraiment des sentiments amoureux. Important. Ne vous laissez pas déstabiliser dans votre couple. Ce qui va venir à vos oreilles, ce seront que des ragots pour moi. Hein? Il y a quelqu'un qui essaye de vous déstabiliser aussi dans vos amours. Alors, peut-être que on va vous rapporter, pour moi, avec les commérages qu'on a là, la trahison. Vous allez être déçu. Hein? Il y a quelqu'un qui va vous apporter des choses pour vous mettre des tensions et des disputes dans votre couple. N'écoutez pas ces personnes. Écoutez votre cœur. Écoutez vos sentiments. Attention, attention. Vous voyez, je vous avais dit, hein, vous êtes protégé, on essaye de vous atteindre, on n'y arrivera pas. Donc, permettez-vous d'entendre ce que je vous dis et écoutez votre cœur. Hein? Permettez-vous. Ne vous laissez pas déstabiliser. Hein? Voilà. On a les rêves, l'illusion. Ce n'est qu'illusion. On vous apporte, voilà. C'est idiot d'un anglais là, mais c'est idiot, mon Dieu. Alors, on a les 3 mois. Alors, est-ce que ça fait, même si c'est pour le mois de juin, est-ce qu'il y a 3 mois de ça, on vous a déjà mis ces trucs à l'oreille? Ou ça fait 3 mois, ou c'était peut-être voire même cet automne, mais vous ne laissez pas déstabiliser si c'est le cas. Écoutez votre cœur, écoutez, analysez votre couple, parce que regardez, c'est vraiment... Allez, on va voir... La finalité. Il y a une belle attirance entre vous. Ne vous laissez pas déstabiliser. Hein. Vous êtes attiré et collé comme des aimants. Il y a quelqu'un qui essaie de vous déstabiliser. Alors, si c'est le cas, vous avez des soucis, d'accord, vous faites la part des choses. Vous savez que c'est pas bon. Mais si ce n'est pas le cas, comme j'ai vu dans les cartes, c'est que quelqu'un, une tierce personne, essaye de vous déstabiliser. À ce moment-là, faites attention à votre couple, parce qu'elle est là, cette personne, pour vous mettre la zizanie. Pour vous vendre du rêve. Voilà, voilà. On vous fait croire des choses. Voilà. Allez, maintenant, on va pour les célibataires. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, il faudrait peut-être oser faire le premier pas si vous voulez concrétiser ou faire quelque chose avec quelqu'un. Eh bien, il y a quelque chose qui va se débloquer durant ce printemps. Et, voire même, vous pourrez percer et aller plus loin avec cette personne parce que vous aurez des projets en commun. Hein? Youp, vous aurez un éclaircissement sur cette situation. Mais, pour vous permettre d'avoir un projet en commun, il va falloir oser faire le premier pas avec cette personne. On est bien d'accord. Sinon, vous allez attendre longtemps dans votre coin. Mais il faut quand même y aller avec prudence. On y va mollo. On prend son temps. Hein? On en prend le temps de se poser. Petit à petit, on y va. Voilà pour vous, mes chers célibataires, pour ce mois de juin.
Et pour d'autres, on leur dit surtout de garder espoir. Si ça ne vient pas durant ce mois de juin, gardez espoir. Ça va venir. Désespérez pas. Voilà, amis Verseau, bon mois de mois. Bon mois de juin à tous. Portez-vous bien. À bientôt.